Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la motricité libre et les apprentissages du bébé, du nouveau-né et du petit bébé. Donc comment se font les apprentissages et comment il acquiert des capacités intellectuelles et motrices. Alors un bébé, ça acquiert ses capacités intellectuelles et motrices ensemble. C'est-à-dire qu'il Voilà, c'est dans le mouvement et dans le toucher et dans le mouvement de son corps qui va aussi faire ses apprentissages intellectuels. Voilà. Donc, il va s'agir de mettre notre bébé dans des situations, dans un environnement propice à ces apprentissages-là. Donc, plus il va être dans des positions qui vont permettre les retournements, la mobilité de ses bras, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, ça va être favorisant pour lui. Donc l'intérêt, c'est qu'il puisse bouger par l'intérêt des jeux. Donc si il est bloqué dans un cosy ou un transat, voilà, il est tout bloqué, donc il est coucouné, hein, mais il va pas pouvoir se déplacer. Or, c'est en se déplaçant qu'il fera ses acquisitions intellectuelles aussi. Voilà. Ne laissez pas vos bébés dans les transats et les cosy ou les poussettes à longueur de journée parce que déjà ça fait un appui crânien postérieur tout au long de la journée, que ce soit quand il dort ou du coup si vous le mettez dans ces matériels de puériculture. Donc le mieux c'est de les mettre à plat s'ils acceptent bien sûr et en tout cas de les mettre plusieurs fois par jour. À plat, sur le dos et sur le ventre. Il a besoin d'au moins 3 plats ventre par jour pour que les nouveau-nés gardent donc leur capacité de lever la tête. Parce que c'est en levant la tête qu'ensuite ils pourront utiliser leurs mains pour jouer et ensuite qu'ils muscleront leur dos pour ensuite tenir assis puis debout. Donc voilà, ne cherchez pas à faire tenir assis votre bébé s'il ne se déplace pas au sol en rampé et en quatre pattes, il n'aura pas la capacité de tenir correctement assis. Donc la motricité libre, ça va être de laisser la liberté au bébé de jouer. Donc je me répète, mais s'il est dans un transat ou un. Ou une balançoire, ou une poussette, il n'aura pas la liberté de bouger de cet endroit-là, donc il n'aura pas l'opportunité d'explorer l'environnement. Et un bébé, il apprend en explorant. Donc, vous aurez bien compris que c'est mieux si il n'y a pas de prise électrique accessible, puisque l'intérêt, ça va être qu'il aille tout explorer. Et voilà, c'est là l'intérêt des apprentissages du bébé. Et il va explorer, bien sûr, tout ce qu'il ne connaît pas. Sinon, c'est pas drôle. Donc, tous les endroits que vous lui aurez interdits un jour, il ira ou il cherchera à y aller un autre moment. Bien, alors, votre bébé à plat dos, il va au tapis d'éveil, vous pouvez l'y mettre bien sûr, et puis qu'il y ait des jeux sur sa gauche et sur sa droite pour qu'il ait envie de bouger et d'attraper. Alors, en essayant d'attraper les jeux, c'est comme ça qu'il arrivera au bout d'un moment au retournement. Ensuite, le plat ventre, il y a des bébés qui n'aiment pas du tout le plat ventre. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait avec les bébés qui n'aiment pas le plat ventre? Voilà, ils sont comme ça. C'est pas une question de tête, souvent c'est qu'ils n'aiment pas l'appui du ventre, de leur ventre qui appuie trop fort. Souvent les bébés qui ont des reflux n'aiment pas trop. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas éviter tout le temps de le mettre, mais déjà attendez un petit peu la digestion. Donc vous attendez au moins une demi-heure avant de le mettre à plat ventre, qu'il ait digéré son lait. Et ensuite, dès la naissance, de toute façon, vous pouvez mettre votre bébé à plat ventre. Donc plus il est grand, plus il tiendra longtemps. Ou en tout cas, plus il y est habitué, plus il tiendra longtemps. Et donc vous pouvez, voilà, mettre une petite serviette roulée ou un petit rondin, comme ça, sous ses aisselles. Et ça libérera ses bras pour qu'il puisse jouer comme ça devant lui. Donc voilà, si on lui met un petit jeu, hop, voilà. On lui met plusieurs, un, deux ou trois jeux, ça sert à rien d'en mettre 10, hein. Donc on lui met comme ça et il aura le ventre plus libre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, il aura le ventre plus libre ici. Donc ça lui appuiera moins. Et donc il va travailler
Il va travailler sa tête, donc et son dos, et la motricité de ses bras. Donc voilà, ça pourra lui faciliter pour ces enfants-là. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que ça fait quand on les laisse en transat, qu'est-ce que ça fait quand on les laisse devant un écran. Parce que voilà, j'entends des gens me dire, oui, il aime la télé. Alors, non, c'est pas il aime la télé, c'est pas une question de plaisir devant la télé, c'est que ça le subjugue. Il y a plein de choses qui passent devant lui, et du coup, il essaye de se concentrer pour comprendre ce qui se passe devant lui. Sauf que, bon, il a. A priori, pas en mesure de un bébé de quelques mois à peine n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe à la télé, donc il est subjugué par les images qui passent et qui défilent. Sauf que pendant le temps qu'il passe à juste regarder ce qui passe et ce qui défile, il va pas chercher à bouger et il va pas s'approprier tout ce qu'on touche. Un bébé, il fait ses apprentissages intellectuels aussi en léchant, en mâchouillant, en tournicotant, en tapant, en détruisant, en faisant rouler. Voilà, il y a des phases comme ça. Donc, il lâche, il fait rouler, il détruit. Ça, c'est des phases dont ils ont besoin de les acquérir et d'en faire beaucoup pour ensuite passer à la phase suivante. S'il reste subjugué devant un écran toute la journée ou presque, c'est du moment qu'il ne passe pas à ses apprentissages. Donc en fait, ne vous dites pas que c'est un travail. Quand il joue, il joue. Et c'est comme ça qu'il fait ses apprentissages. C'est pas difficile pour lui, c'est un plaisir travail pour les bébés. Donc voilà, les écrans, voilà ce que ça fait, ça les subjugue, ils font pas. Et même s'ils ne regardent pas, parce qu'il y a des bébés qui jouent quand même, ils sont habitués à l'écran qui est à côté d'eux, on va dire que l'écran est de ce côté-là, et puis ils jouent tranquille, ils jouent. Alors les parents disent, bah oui, mais il joue, ça le dérange pas, donc moi je laisse la télé parce que j'aime bien, ça me fait un bruit de fond. Oui, mais non, c'est pas ça non plus, parce que finalement, il va être habitué à la plupart des bruits de la télé, donc effectivement, au bout d'un moment, ça va plus l'intéresser. Il joue, il joue, il joue. Et donc, par exemple, voilà, il joue avec son jeu, et puis il s'entraîne à, je sais pas moi, il a deux jeux, et puis il s'entraîne, voilà, il a des deux jeux, il voit qu'en tapant, ça fait du bruit, c'est super, donc il s'amuse à ça. Et d'un coup, il y a un bruit à la télé. Hop, donc le bébé, il va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il va dire, ah non, c'est la télé, je suis habitué à ça, je m'en fous. Hop, il reprend son jeu. Et là, eh ben, il va pas se souvenir de là où il en était. Donc, il va laisser ce jeu-là et il va passer à un autre jeu. Et donc, si ça va se passer si c'est une habitude de vie, la télé ou des bruits. Voilà, c'est principalement la télé. Bah, il va apprendre à zapper de jeu comme ça. Donc, en fait, on voit les enfants qui sont habitués à ce type d'écran vont zapper de jeu et vont pas rester longtemps concentrés sur une activité en fait à terme. Donc, voilà, l'étape d'après qu'aurait fait le bébé s'il n'avait pas été interrompu, c'est il aurait essayé de mettre un jouet dans un autre. Oh, on peut mettre dedans. Et puis, si on recommence, ça remarche. Et ça, pour ça, ils ont besoin aussi de temps plutôt calme, en fait. Voilà. Donc, les bruits de fond de télé, c'est bien évité aussi. Donc, ouais, c'est pas simple, mais bon, voilà, à voir, à faire des choix. L'important, c'est de faire ses choix en connaissance de cause. Après, il n'y a pas de jugement, hein. Chacun fait comme il peut et veut chez lui. Je vous donne juste les informations. Voilà, qu'est-ce que ça fait chez un bébé? Bien. Ensuite, on pourra dire oui, mais il y a des programmes spéciaux pour les enfants. Oui, mais même si c'est spécial pour un enfant, c'est un moment qu'il ne passe pas à jouer. Donc, en fait, après avoir regardé un écran, il va être fatigué. Donc, intellectuellement, il sera plus fatigué. Donc, il ne va pas complexifier son jeu. Et c'est ça l'intérêt du jeu, c'est de le complexifier pour que le cerveau mature. Donc, s'il est fatigué par un écran, il va peut-être pas complexifier le jeu, mais il aura beaucoup d'énergie physique. Donc il va pas savoir comment le dépenser puisque voilà, donc ça donne un peu je cours partout, je sais pas où je vais. Voilà. Quand ils sont plus grands, ça donne un peu plus ça. Sinon ça peut donner des pleurs en fait, des pleurs de décharge. Ils ont besoin de décharger physiquement, ils n'arrivent plus intellectuellement, donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous donne des pistes, une compréhension de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Pour des un petit peu plus grands qui vous demandent de l'écran, si vous avez du mal à réguler. Vous pouvez dire pas tous les jours. Voilà. C'est bien quand c'est pas une habitude de vie, en fait. Donc,
ou bien si vous avez pris l'habitude bah, de diminuer doucement un écran, c'est vraiment vraiment mauvais. J'ai pas envie de dire mauvais ou délétère parce que c'est anxiogène pour un parent et c'est pas ça, mais voilà, quand c'est une habitude de vie, c'est compliqué puisque l'enfant va être habitué à vous la demander, et puis ça va pas en diminuant, en général ça va crescendo. Donc voilà, à vous de voir ce que vous faites, comment vous arrivez à faire chez vous, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, juste savoir qu'est-ce que ça crée chez votre enfant. Donc quand vous avez un enfant plus grand qui ne sait pas se concentrer longtemps sur une activité ou sur ses devoirs, en fait c'est là où on s'inquiète, sauf que c'est un peu tard. Il y a beaucoup de constructions qui se passent avant les 3 ans. C'est pas irrémédiable, mais il y a beaucoup de choses qui se construisent là. Voilà. Ah, donc à savoir. Et vous pouvez quand même avoir un enfant intelligent en n'ayant pas tout fait parfaitement, hein. Mais c'est bien d'avoir des bases et puis de comprendre comment ça se passe. Voilà. Si vous avez des questions particulières ou si vous voulez que j'approfondisse certaines parties de la vidéo, bah vous me dites et puis j'essaierai de m'y coller si j'ai les capacités de répondre aux questions. Merci.